On entame une série de vidéos sur le système immunitaire. Donc, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. Alors, le but premier, c'est de protéger contre tout ce qui pourrait être néfaste. Donc, protéger contre. Alors, qu'est-ce qui peut être néfaste? Il peut y avoir certaines protéines toxiques. Il peut y avoir des virus, des bactéries, ou même des parasites eucaryotes. Parasites. Tout ça, on réunit ça sous un terme, on les appelle les pathogènes. Ce qui peut générer des pathologies, des maladies, sont des pathogènes. Et donc ces pathogènes qui viennent de l'extérieur, le but, ça va être d'une part d'éviter qu'ils rentrent à l'intérieur du corps, et deuxièmement, si jamais ils sont rentrés, les combattre. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord parler de ce qu'on appelle la réponse immunitaire non spécifique ou innée. Non spécifique. C'est-à-dire qu'elle est pas spécifique d'une bactérie ou d'un virus en particulier. C'est une réponse qui reconnaît un virus en tant que virus et qui va le combattre sans que ce soit une réponse spécifique à tel type de virus, ou bactérie, ou parasite. Donc on l'appelle la réponse non spécifique ou réponse innée. Elle n'est pas acquise, il n'y a pas eu un apprentissage de la part du corps pour développer cette réponse. Elle est présente, quels que soient les virus, bactéries, pathogènes qu'on ait déjà rencontrés. Et une première ligne de défense, ça va être de garder les pathogènes à l'extérieur, donc les empêcher, empêcher l'entrée du corps. Pour empêcher l'entrée, on a la peau qui forme une barrière, mais qui aussi a le sébum, et le sébum est légèrement acide, ce qui n'est pas propice au développement de certaines bactéries néfastes. On a le mucus qui est présent au niveau de certaines membranes et qui va empêcher encore une fois les bactéries de s'accrocher. Et au niveau de l'estomac, les acides de l'estomac et autres enzymes digestifs en général, puisque l'estomac, eh bien, c'est en fait l'extérieur de notre corps. Il y a un trou au niveau de la bouche, il y a une sortie au niveau de l'anus, mais le tube digestif, c'est une sorte de grand trou qui traverse le corps, et c'est vrai pour l'ensemble des vertébrés, c'est considéré comme l'extérieur de l'organisme. Donc au niveau de ce tube digestif, donc que ce soit au niveau de la bouche, on a des mucus, dans l'estomac et le reste du tube digestif, on a des acides, et aussi des mucus, c'est une façon de se protéger de toutes les bactéries et autres pathogènes qui pourraient profiter de cette porte d'entrée facile en étant présents sur les éléments qu'on consomme. Et si malgré toutes ces défenses, des pathogènes ont réussi à pénétrer, on a une deuxième ligne de défense qui est la réponse inflammatoire. Alors la réponse inflammatoire, c'est quand on va avoir une coupure dans la peau par exemple, il faut apporter rapidement sur le site de combat, entre guillemets, les défenses. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un gonflement, un rougissement. En fait, c'est l'apport massif de fluide et les premières réponses à cette entrée d'un pathogène qui est générée par l'inflammation. Donc la réponse inflammatoire, c'est pour apporter les défenses. Et ces défenses présentes dans la réponse inflammatoire, eh bien, on a notamment les phagocytes. Et là, je vais développer un peu plus le fonctionnement des phagocytes. Donc le phagocyte, c'est une cellule qui est présente donc dans la circulation et qui porte à l'extérieur des récepteurs. Et il est chargé de reconnaître, distinguer le soi du non-soi. Donc le soi, c'est les autres cellules du corps humain qui donc ne sont pas jugées comme dangereuses. On reviendra sur ce détail plus tard. Et donc discriminer les cellules du soi, des cellules du non-soi, qui sont les cellules ou pathogènes ou protéines, qui viennent de l'extérieur, qui ne proviennent pas de l'organisme et qui donc peuvent représenter un danger. Et donc grâce à ces récepteurs, il va reconnaître lorsque se présente une bactérie, par exemple, qui elle porte une carte d'identité de bactérie à l'extérieur. Et donc ça va être reconnu comme ne faisant pas partie du corps, ne faisant pas partie du soi. Et donc quand ils vont rentrer en contact, le phagocyte va donc phagocyter. On va voir phagocytose. C'est-à-dire qu'il va englober, avaler cet élément extérieur. Par repliement de membrane, donc on imagine que la cellule change complètement de forme. Elle a ici accroché cet élément reconnu comme élément extérieur. Et les replis de membrane, ici, vont se rapprocher jusqu'à fusionner pour que cet élément, cette bactérie, se retrouve à l'intérieur de la cellule, isolée dans une sorte de vacuole qu'on appelle le phagosome. Donc on a maintenant cet élément extérieur
qui est complètement englobé. Donc déjà, il a été supprimé de l'environnement, il avait rien à faire dans l'organisme, et donc il a été capturé. Cette formation, c'est un phagosome. Et maintenant qu'il est dans cette cellule, dans ce phagocyte, il va subir une digestion, une dégradation, puisque le phagocyte a d'autres vésicules, d'autres petites poches ou vacuoles, ou sont des vésicules, qui contiennent des enzymes prêtes à digérer, à détruire cet intrus. Et ici, ce sont des lysosomes. Lysosomes remplis d'enzymes qui sont les lysozymes. Et ils vont venir fusionner avec la membrane du phagosome pour venir, donc ils sont pleins de petites enzymes digestives qui vont venir être libérées à l'intérieur du phagosome. Le résultat pour l'intrus, c'est qu'il va être complètement découpé. Et donc maintenant, dans le phagosome, on a des fragments de la bactérie d'origine, des fragments de protéines. Donc ces protéines ont été découpées en plus petites unités, de plus petites chaînes d'acides aminés qu'on appelle des peptides. Et le phagocyte ne s'arrête pas là. On pourrait dire mission accomplie, il a capturé l'intrus, il l'a détruit. Eh bien non, il ne s'arrête pas là. Il va récupérer un de ces petits peptides en particulier et l'accrocher avec une molécule à lui qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc le complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, je vais réécrire entier ici. Complexe majeur d'histocompatibilité. Et en l'occurrence, ici, c'est du type 2. On reviendra plus tard sur type 1, type 2. Donc ici, on dit le CMH de type 2. C'est une petite molécule pour fixer ce peptide intrus. Et il va aller présenter ça à sa membrane. Et l'effet, donc on a cette cellule qui a découvert un intrus, qui l'a digéré, et qui maintenant à sa surface en présente un morceau, en quelque sorte pour prévenir d'autres membres de la réponse immunitaire, par exemple ceux de la réponse immunitaire acquise, qui éventuellement eux ont une réponse spécifique qui serait adaptée à cet intrus-là en particulier. Et donc il est là, il présente ce peptide comme pour dire, hey, les gars, regardez ce que j'ai trouvé, est-ce que ça peut vous intéresser, est-ce que vous seriez capable de combattre ça? Et donc cette cellule, on appelle ça une cellule présentatrice d'antigène. Voici maintenant une cellule présentatrice d'antigène. L'antigène, c'est donc ce petit peptide qui est capable de générer une réponse spécifique, capable d'être reconnue comme faisant partie d'un pathogène, et qui, dans la réponse immunité acquise ou spécifique, est capable de cibler, d'activer en particulier les cellules adaptées à cette réponse-là. Mais donc, tout ça, on va y revenir en détail. Pour ce qui est des phagocytes, ça c'est le fonctionnement générique, mais tu vas pouvoir éventuellement tomber sur différents termes qui désignent des phagocytes. Et donc, pour cela, je vais revenir. Donc, les phagocytes, cela inclut les neutrophiles. Neutrophiles, qui eux sont très rapides et abondants. Donc rapides et abondants, c'est eux qui sont directement sur le site de l'inflammation. Il y a les macrophages et il y a les cellules dendritiques. Alors cellules dendritiques, il y a le terme dendrite. Attention, il ne faut pas se laisser avoir, ça n'a rien à voir avec le système nerveux. On les appelle cellules dendritiques parce qu'elles peuvent avoir justement des formations comme ça, des ramifications qui rappellent ce qu'on appelait dendrite au niveau du système nerveux, mais ce sont bien des cellules du type phagocyte. Et d'ailleurs, ce sont les cellules les plus performantes en termes de présentation d'antigènes.